Ami de Morpheus, bienvenue dans cette nouvelle émission L'enfant, un business pas comme les autres. Alors ce soir, j'ai encore une maman, une invitée, une victime des services sociaux, comme dirait l'autre. Est-ce que Manon, elle est là? Oui, je suis là. Bonsoir Manon. Alors Manon, Bonsoir. ce que vous allez faire dans un premier temps, c'est nous dire dans quel département vous êtes, d'accord? De quelle juridiction vous dépendez, d'accord? Et puis après, on va aborder le sujet de ce que je mettrai en bannière tout à l'heure, comment on a pu vous tromper sur une demande officielle, d'accord? Allez-y, présentez-vous, Manon. Bon, moi, je m'appelle Manon, je suis une jeune maman de 24 ans, d'une petite fille qui s'appelle Hilaria, qui a tout juste 3 mois, ce qui est extrêmement jeune, hein. En fait, je dépends du département de la Marne, donc du 51, de Reims précisément. Ma fille, j'ai demandé, le contexte était un petit peu compliqué hein, parce que on a subi un déménagement assez à la hâte de mon ancienne ville en fait, parce que il y avait un problème de rats dans les murs, dont la propriétaire ne voulait pas régler les soucis, et pour un enfant qui allait naître dans pas longtemps, on a trouvé que le logement de mon conjoint serait beaucoup mieux, même s'il était beaucoup plus petit. Sauf que Hilaria, tout allait très bien jusqu'à ces 48 heures de pleurs non-stop et moi en train de la bercer, de la porter tout le temps, d'essayer de trouver une solution, de la mettre chez le médecin qui ne trouve absolument rien à dire et que tout va bien. Par réflexe, je n'ai jamais pensé à l'amener à l'hôpital parce que j'ai une enfance moi qui est compliquée où j'ai pas vraiment connu mes parents, donc on m'a jamais expliqué tout ça. Et puis être parent, ça s'apprend au fur et à mesure, on ne peut pas tout savoir tout de suite. En fait, du coup, moi, ma sœur m'avait dit d'appeler la PMI si j'avais un moindre problème comme celui-ci. Et du coup, j'ai appelé la PMI. À mon grand malheur, du coup, je leur ai quand même dit que j'avais un problème de logement parce qu'il était très petit. Parce que je savais que de toute façon, ils allaient se déplacer dans le logement et qu'ils allaient remarquer que justement, il était très petit, puisque c'est un studio étudiant normalement qui est fait pour une personne. Donc là, on est à 3 dedans, donc on était à 3 dedans, c'était compliqué. Et quand ils sont rentrés, ils ont fait un peu les gentilles personnes. Donc, justement, là vous allez, là vous êtes en train déjà de commencer de parler comment c'est arrivé. Pardon. Parce que Oui, pardon. donc là justement, vous avez fait une demande d'aide en fait à l'origine. Oui, C'était ça? j'étais juste une maman qui, en plus, je venais de subir un déménagement du jour au lendemain comme ça, en sortant d'accouchement. Hein. J'étais épuisée, j'ai pas pu retrouver le repos, etc. Puisque tout s'est enchaîné en fait, et je me suis pas reposée une seule fois, ni psychologiquement, ni physiquement, où j'ai pas pu, par exemple. Quand on accouche, on est obligé de voir une sage-femme pour tout ce qui est rééducation, etc., du corps de la femme après l'accouchement, ce qui est logique, chose que je n'ai jamais fait et que je n'ai toujours pas fait à l'heure actuelle. D'accord. Donc là, pour que les gens comprennent, vous étiez parti sur ce qu'on appelle une demande de placement administratif, Administratif. le temps que vous aménagiez votre nouvel appartement. C'est C'est ça. ça. C'est ça. Donc, et là, normalement, il faut savoir que quand vous faites une demande administrative, d'accord, c'est vous qui avez le pouvoir de reprendre l'enfant quand vous le voulez. Oui, mais bien sûr, c'est pour ça que je voulais ce dispositif-là et pas un autre. Parce que Voilà, là, c'était donc, vraiment une question de logement. sauf que là, le département à qui vous demandez ça, je crois que ça passe obligatoirement par l'ASE. Exactement. C'est donc l'ASE à qui vous avez fait la demande. Vous avez fait une demande par écrit pour le placement administratif. Comment vous avez Non, fait la c'est pas. démarche? En fait, c'est pas ça. En fait, moi, j'ai fait appel à la PMI et je leur ai expliqué que pour moi, pour le moment, le temps de trouver un nouveau logement, parce que ça peut être très long de trouver un nouveau logement, où il n'y a rien pour avoir sa pièce, rien qu'à elle, que j'avais envisagé le placement administratif, parce qu'effectivement, dans un petit appartement, c'était très compliqué. Surtout que pendant les pleurs de 48 heures, c'était même pas réellement des pleurs, c'était des hurlements au point où les voisins, ils ont peut-être croire qu'on l'a frappé ou que, etc. Donc du coup c'est pour ça que j'ai été beaucoup alarmée aussi, où je me suis dit il faut que je fasse quelque chose parce que si ça ne vient pas de moi, de toute façon ça viendra des autres. D'accord. Oui, c'est une bonne initiative, en fait.
D'accord? Donc, et moi, j'étais vraiment, c'était pendant les 48 heures où j'ai pas dormi, j'ai pas mangé, j'étais extrêmement fatiguée. Voilà, toutes les sages-femmes nous disent, faites attention au bébé, secoué, ça arrive en postpartum, machin, etc. Ma sage-femme m'a alertée sur ça parce que ce qui était tout à fait logique. Et moi, j'avais cette peur d'être fatiguée et de faire un mauvais mouvement. Et c'est ça aussi qui m'a fait appeler la PMI en disant, bah là, j'ai besoin d'aide, quoi. Enfin, moi, je veux le mieux pour ma fille pour le moment, mais là, pour l'instant, je sais pas. Et en fait, c'est la PMI. En fait, si vous préférez, la PMI travaille en fait avec les assistants sociaux de l'ASE, Oui, qui sont c'est dans le ça. même, qui sont dans le même bâtiment. D'accord, non, mais bien sûr, pour moi, c'est les services de l'ASE, hein, d'accord, Oui, bien sûr. d'accord. Et quand j'ai fait cette demande-là, ils ont tout de suite été un peu en mode, mais non, si vous parlez, en faisant les sentiers, ils ont été un peu en mode, ça fait 48 heures que vous n'avez pas dormi, on peut comprendre, machin, etc. Vous parlez peut-être un peu hâtivement, machin, etc. Ils ont commencé un peu à essayer de fouiller mon passé, etc. Et moi, au bout de 48 heures de fatigue, ben, j'ai lâché ce que je devais lâcher, en fait. Et c'est des choses que j'ai lâchées qu'ils ont reproduites, enfin, qu'ils ont retranscrit dans le jugement, mais à leur manière. Parce que moi, j'ai dit qu'en gros, ils m'ont proposé un centre, ce qu'on appelle un centre maternel, où en fait, on place, c'est un CHRS de mère-enfant, quoi, entre guillemets. Sauf qu'en fait, ils m'ont carrément posé un ultimatum, c'est soit votre couple, soit vous gardez votre couple, mais vous n'avez plus votre fille. En gros, hein, et soit vous gardez votre fille. Non, mais ça, ils l'ont pas mis par écrit, ils vous l'ont dit verbalement. Oui, ça, ils m'ont dit verbalement. Donc Mais c'était voilà. soit vous quittez votre compagnon, votre mari, enfin vous êtes marié ou vous êtes en concubinage? Non, c'est un concubinage. D'accord, bon. Soit vous quittez votre compagnon, soit on vous rend pas votre enfant, c'est ça? C'est pas tout à fait là, c'est juste en gros, c'est soit ils voulaient me placer dans la structure avec ma fille, mais du coup j'étais fliquée entre guillemets, parce que pour sortir, il fallait que je demande des autorisations. Je suis majeure, j'ai pas besoin d'avoir d'autorisation pour sortir, et ça me paraissait insensé, où il y a des éducateurs qui passent toutes les 2 secondes, machin, ça étudie votre état psychologique, machin, etc. Enfin, moi, comme je vous ai un peu expliqué, j'ai un passé qui fait que j'ai été employée toute ma vie. Et en famille d'accueil. Et ben, je sais ce qui se passe à l'intérieur. Et Alors, ce qui est drôle, c'est que dans les témoignages de gens, de mamans qui viennent, ou même des fois de papa, à chaque fois qu'on a eu affaire à une maman qui a vécu déjà le passé dans des foyers, à chaque fois ils récidivent sur les enfants qui naissent de la maman. mais attendez, c'est encore pire que ça, parce que ma mère a été placée aussi. Votre mère aussi. Donc ça Oui, fait ma mère. trois générations. Ça fait 3 générations d'affilée. Et vous avez encore des bons contacts avec votre mère? Elle vous a raconté ce qu'elle avait vécu ou pas? Ma mère est décédée, elle s'est suicidée. Quand j'avais 10 ans, c'est pour ça que j'ai passé. Elle s'est suicidée quand vous aviez 10 ans. Et Oui. vous étiez déjà placé quand vous aviez 10 ans? Non. Non. Ils vous ont placé après, c'est ça? Oui. Donc c'est catastrophique en fait. C'est le mal qu'on peut faire aux mamans et Ben c'est ça surtout qu'en me. fait, moi, ma mère m'a expliqué pourquoi elle avait été placée, et j'en ai su d'autres par mon père actuellement, parce que en fait, le père de ma mère, ben, il prostituait ses enfants et violait ses enfants. Carrément, carrément. Et ouais. Alors, c'est marrant parce que ça recoupe des gens avec qui je fais des témoignages. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a dernièrement, j'ai fait un témoignage avec une maman, enfin avec une dame, d'accord, qui racontait comment son père était un proxénète, son propre père. Vous l'avez vu cette émission-là, d'accord? Elle Oui, a sorti un bouquin, donc je ne sais pas si vous voyez les liens qu'il y a d'une chose à l'autre et comment il peut y avoir des dérives après dans le placement des enfants. C'est mais une horreur. ça détruit un enfant, hein, clairement, hein, psychologiquement et mentalement. Hein. Mais bien sûr, et là, c'est là que j'arrive pas à comprendre le vrai rôle des services sociaux, parce que ils sont là pour vous aider au début, vous demandez une aide et vous comptez sur ce qu'on appelle un placement administratif, d'accord? Donc je répète que le placement administratif, c'est décidé par les services sociaux de l'ASE, c'est eux qui ont la main là-dessus, d'accord?
Mais comme c'est eux qui ont aussi la main sur les juridictions, sur les placements judiciaires, qui n'ont rien à voir avec les placements administratifs. D'accord? C'est ce que je dis, le placement administratif, c'est les parents, la maman ou le papa qui décident de reprendre l'enfant quand ils le veulent. Mais si les services sociaux font une manipulation et transforment le placement administratif en placement judiciaire, vous êtes victime d'une OPP, en fait. D'accord? Une ordonnance de placement. C'est ce qui s'est passé, en fait. Voilà. C'est ce qui s'est passé par la suite. Alors, il faudra faire, d'ailleurs, attention, parce que la responsabilité à ce niveau-là, elle appartient au conseil départemental. D'accord. Il faudra faire attention. Il y aura sûrement une plainte à déposer, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. D'accord. Ah, mais de toute façon, j'ai d'autres trucs à dire parce qu'ils sont bien allés bien, bien plus loin que ça. Hein. Allez-y, racontez. Attendez, je vais mettre quand même la petite bannière. Alors, attendez, je mets ça parce que je fais un affichage comme ça. Manon, ou le mal fait à une maman par tromperie entre judiciaire et administratif. Voilà, c'est le thème de l'émission. Donc, vous continuez de raconter votre histoire. Allez-y. Donc, il y a deux personnes qui viennent du coup dans l'appartement. Donc, une infirmière péricultrice. Bon, c'est ce qu'elle dit, mais elle fait beaucoup plus qu'une infirmière péricultrice à mon goût. Mais et elle vient avec une sage-femme. Elle me prend, il arrive dans les bras doucement pour la changer parce que il arrive à continuer à pleurer pour que moi je puisse expliquer et évoquer ma situation actuelle. Donc elle va dans la salle de bain, donc je pense qu'elle a vérifié s'il n'y avait pas de coup, hein, forcément ça me paraissait logique. Donc moi, si j'avais frappé un enfant, jamais je pourrais le faire au vu de mon passé. Justement, j'ai trop de ressentiments envers ça et moi, dès que je vois une vidéo d'un enfant qui fait de mal, j'ai envie de pleurer, donc c'est pas. Non. D'accord. Et du coup, il commence à me demander est-ce que je touche? Et là, je dis je touche la reste parce que je suis en dépression. Et donc, je touche la reste à 90%. Hein, pour ça, hein, donc, c'est vraiment. J'ai un bon niveau de dépression qui est avéré sévère parce que même quand j'ai des périodes où je vais mieux, il y a des périodes où je vais pas bien. Par contre, je n'ai pas de traitement parce que mon psy n'a jamais voulu me donner de traitement parce que pour moi, il n'a pas envie de me transformer en légume et encore moins depuis que j'ai un enfant. D'accord. Donc, voilà. Et donc, c'est un psy que j'ai eu dans toute mon adolescence. Hein, donc, il m'a suivi employé en famille d'accueil jusque bien après. Et du coup, en fait, elle me pose des questions. Elle me dit, écoutez, elle me demande un peu mon passé, tout ça, donc je commence à raconter à peu près ce que je vous dis, que moi j'ai été placée suite à un suicide de ma mère et aussi à des attouchements de son compagnon sur moi et la violence qui a été faite sur ma mère. Donc c'est un contexte très 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 très, très compliqué. Du coup je raconte un peu tout ça et tout, et elle me dit concrètement qu'est-ce qui ne va pas avec Hilaria actuellement. Je fais, écoutez, ça fait 48 heures actuellement qu'elle hurle à la mort. Parce que pour moi, c'était même pas des pleurs, c'était des hurlements, il y avait un truc qui n'allait pas. Moi, pendant ces 48 heures, je lui ai expliqué que j'ai vérifié s'il n'y avait pas un problème, parce que j'ai des problèmes de santé, donc peut-être que c'est héréditaire, donc j'ai vérifié s'il n'y avait pas un problème avec le lait, j'ai vérifié s'il n'y avait pas un problème de digestion, j'ai vérifié s'il n'y avait pas de la fièvre, j'ai vérifié de les changer, j'ai regardé si elle avait faim. Sauf qu'il n'a rien, c'était une petite gloutonne, et à un jeune âge, elle buvait déjà 90 ml toutes les 3 heures. Donc ça m'a été aussi reproché que j'avais laissé des biberons sales dans l'évier alors qu'elle en a 40 et la moitié était propre. Donc voilà, c'est, ouais. On me reproche de nourrir mon enfant, quoi, en gros. Hein, oui, mais ça, c'est de la manipulation, en fait, d'accord Et donc, je leur explique que moi, ça fait 48 heures de pleurs, ça fait 48 heures que je suis fatiguée, j'en peux plus, j'ai peur de faire une mauvaise manipulation avec Hilaria, je le sens bien. Donc, commence à me parler de moi, d'aller à l'hôpital avec moi et ma fille. Donc, d'abord pour ma fille, parce que forcément, il faut mon autorisation pour l'hospitaliser. Ce que j'accepte, parce que je ne connaissais pas le problème, et je rajoute que quand même, pendant ces 48 heures, j'ai été voir un médecin qui m'a dit qu'il n'y avait aucun problème avec Hilaria, qu'il a ausculté, qu'il a pesé, donc il n'y avait aucun problème. Et donc, du coup, je me dis, allons à l'hôpital, mais je suis pas sûre que ça va changer quelque chose au final. Hein. Je ne trouve pas pourquoi elle pleurait.
Et donc, on y est allé quand même. Donc, c'est aller rentrer dans le dispositif de l'hôpital pour savoir ce qu'elle avait, mais aussi parce que bah, jeune maman fatiguée. Et en gros, c'est la PMI qui m'a accompagnée jusque là-bas. Donc, c'est eux qui ont fait la démarche. Donc, déjà, on montre bien qu'ils travaillent déjà bien serrés avec leur service là-bas. Et en fait, tout est lié entre guillemets parce que bah, en fait, vous faites le moindre pas, vous êtes piétiné partout. Ouais. Et du coup, moi, pendant ce temps-là, ils ont essayé toujours de me reparler du centre maternel. J'ai refusé catégoriquement en disant que de toute façon, ça n'arrangeait pas ma situation, que j'avais besoin d'un logement. Dans ces cas-là, pourquoi vous ne me proposez pas une assistante sociale qui puisse me faire une demande de logement, qui sera beaucoup plus vite? Et ça ne m'a jamais été proposé. Et même ça a essayé de parler d'autre chose pour... Ouais, bah oui, parce que vous les posiez devant un problème qui était facile à solutionner et eux, ça les Mais c'est intéressait ça. pas, en fait. Ouais. Mais c'est ça en fait. Et du coup, moi, je leur ai dit, écoutez, je ne peux pas choisir entre ma fille et mon copain parce que bah, les deux sont importants dans ma vie. Et C'est bien sûr, ça me paraît si je logique. fais, c'est comme si on demandait à un enfant, tu préfères ta mère ou ton père? Il va pas répondre. Je ne sais Ah, pas. Il aime les deux. C'est logique. Bah, moi, c'est pareil. Donc, ça marche dans les deux sens. Et j'ai trouvé ça un peu absurde sur ce coup-là. Bon, mon copain était un peu en retrait parce qu'il ne voulait pas trop rentrer et donner son nom parce qu'il n'aime pas trop ça. Et ce que je comprends totalement maintenant, hein, clairement. Et du coup, en fait, ils m'ont un peu, justement, à cause de ça, ils m'ont carrément isolée. Ils ont essayé de m'isoler le plus possible psychologiquement pour qu'en fait, ils me descendent plus vite. Parce qu'ils savaient que j'étais en dépression, donc ils allaient jouer sur ça. Et donc, je vais à l'hôpital. Donc, on m'annonce que mon derrière avait bien un problème, mais le problème n'était pas voyant. Et c'est normal que le médecin ne l'avait pas vu. d'accord. Il avait tout simplement une mycose qui passait dans le tube digestif. Et à chaque fois qu'elle buvait ou qu'elle avalait sa salive, elle avait extrêmement mal. Et ça passait D'accord, par ben le oui. gastro. Donc, forcément, bah, elle était irritée partout. Donc, c'était pas voyant parce que ça s'est déclaré au fond de la bouche. Et le médecin n'a pas pu le voir. Et du coup, ils m'ont juste dit, les infirmières très gentilles, ils m'ont juste dit, elle a juste une mycose, ça va aller, on va réparer, très très gentil, hein, sur ça, il n'y a aucun problème. Donc, ils ont pris en charge l'arrière. Et moi, ils m'ont dit de me reposer. D'accord. Donc Sauf. là, en fin de compte, faut bien que les gens comprennent que les cris, c'était des cris de douleur et non pas des cris pour la faim ou ainsi de suite. C'était des Voilà. cris de douleur par Voilà. rapport à la mycose, hein? Exactement. Parce qu'en D'accord. fait, moi, si le médecin ne l'a pas vu, comment moi j'aurais pu le voir? Non, mais bien sûr. Oui, Et là, c'est à l'hôpital qu'ils ont vu ça. C'est l'hôpital qui c'est l'a vu? ça. Ah, Oui, c'est d'accord. l'hôpital. Ben, vaut mieux tard que jamais, hein? D'accord? Oui, bien sûr. Et du coup, bon, ils m'ont demandé combien il arrive à buver. Généralement, en millilitres. Et là, je leur ai dit, bah, elle boit 90 ml toutes les 3 heures. Et moi, la sage-femme m'a toujours dit, vous augmentez de 10 minutes si vous voyez qu'elle augmente, c'est pas suffisant, quoi. Toutes les semaines, tous les 2 jours, chose que j'ai fait. Mais du coup, bah, ils ont considéré ça comme un surdosage. En plus, Non. si, ils ont Alors, considéré que que c'est, attends, c'est les conseils qu'on vous donnait. Exactement, en fait. Et il faut savoir que moi, j'ai accouché dans une autre ville. Et je n'ai pas été accompagnée comme il fallait. En fait, on m'a rien expliqué. On m'a laissé là avec ma fille. C'est ma première fille. C'est mon premier enfant. Je ne peux pas tout savoir. Non, bien Et en sûr. fait, on me disait, bon, la première fois, il faut qu'elle boive autant de doses. OK. Et quand je commençais à voir qu'elle continuait à pleurer et que ça avait changé, que j'avais câliné, que j'avais bercé, qu'elle avait dormi, qu'elle était reposée, que j'avais un peu éveillé avec elle, et qu'elle continuait à pleurer, bah, ça portait dans mes bras, j'allais voir les infirmières et je leur disais, bon, elle pleure toujours, je ne sais pas pourquoi. Et je me demande si elle n'a pas faim. Parce que pour moi, la dose, elle n'est pas suffisante. Parce que quand je lui donnais le biberon, elle forçait dessus alors qu'il était vide. Donc là, je me suis dit, donc ils m'ont dit d'augmenter la dose. Sauf que les infirmières du lendemain m'ont dit, il faut surtout pas augmenter la dose. Donc ils m'ont fait réduire la dose. Donc en fait, il y a rien, qui a un nouveau-né qui vient naître, qui a un tube digestif à faire, etc. Bah, elle était complètement perdue dans ses biberons. Et du coup, elle savait plus quelle dose était. Enfin, pour elle, c'est une habitude qu'elle a prise. Donc du coup, augmenter, augmenter, augmenter. Bah, au bout d'un moment, bah voilà. Et ça m'a été reproché. Et j'ai dit, mais moi, on m'a pas informé de tout ça.
Et j'apprends que par les médecins que le lait ne convient absolument pas du tout parce que en fait, j'explique que Ilaria, elle est née un peu prématurément parce que elle a une taille, elle a un poids, elle a eu un problème de croissance. Elle a eu le poids tout juste. Vraiment D'accord. tout juste. Et du coup, il lui fallait un lait beaucoup plus nourrissant. Donc en fait, le lait D'accord. que je lui ai donné du Et premier âge, il ne convient pas. quand vous dites qu'elle est prématurée, elle est prématurée de combien? De beaucoup? De 2 jours? Non? Non, mais quand eux, ils considèrent que l'enfant est prématuré à partir du Ah, ils le moment où. considéraient. D'accord. Alors que Oui, vous êtes arrivé au terme. Vous êtes arrivé au terme. ils ont voulu me faire accoucher avant, en sachant qu'elle était encore plus petite dans mon ventre. Elle avait moins de 1 kilo. Quand ils voulaient me faire accoucher prématurément, et j'ai refusé catégoriquement parce que pour moi, je devais aller jusqu'à la fin pour qu'elle prenne le plus de poids possible pour qu'à la naissance, il n'y ait pas d'accident. Chose qui va m'être reprochée plus tard aussi. Alors que tu aurais bien expliqué la situation et que j'ai bien les papiers d'échographie qui dit bien que ben Ilaria, elle avait en fait au début elle grandissait bien puis à un moment donné elle a stagné et elle a commencé à baisser donc voilà donc ce qu'ils appellent maturer chez eux c'est parce que quand l'enfant a une croissance qui n'est pas normale en fait et qu'ils veulent faire accoucher avant sauf que ben moi j'ai refusé catégoriquement et j'ai bien fait parce que la sage-femme qui m'a aidé à accoucher m'a dit vous avez bien fait parce que là elle a le poids tout juste. Ouais, Donc, d'accord. voilà. Et donc, moi, ça, c'est du coup le problème du biberon m'a été reproché. Je l'ai très, très, très mal pris, hein, parce que bah, du coup, c'est pas de ma faute. Hein. J'ai dit, bah, écoutez, donc ces infirmières l'ont réhabitué à un lait beaucoup plus nourrissant et du coup, à doser moins. D'accord. Ouais, mais ça c'est les médecins, enfin c'est Oui, l'hôpital qui a géré ça. mais les médecins sont en lien avec sa PMI, et vous allez comprendre plus tard qu'en fait, ils sont de mèche. Les deux sont de mèche. Et c'est pour ça que je précise bien que les médecins sont importants, parce que bon, et eux aussi, ils m'ont carrément brossé dans le sens du poil, mais derrière, je me suis fait bien avoir quand même. Donc moi, on me dit de me reposer, de prendre le temps qu'il faut pour me reposer. J'ai pas dormi, par exemple, depuis 48 heures, j'ai fait un déménagement, donc forcément, je suis plus que fatiguée, aussi bien moralement que physiquement. Donc, les premiers jours, je préviens que je ne serai pas là, mais que j'appellerai pour avoir des nouvelles. Chose que j'ai faite à plusieurs reprises. On m'a dit que tout se passait bien, machin, etc. Donc, tant mieux. Et en moi, entre-temps, en fait, la PMI me recontacte. Et là, ils commencent à essayer d'avoir mon numéro de CAF. Et là, je me dis, je ne sais pas pourquoi, mais quelque chose me dit de ne pas le donner. Donc, je dis, pourquoi vous avez besoin de mon numéro de CAF par SMS? Parce que je passe toujours par SMS ou par mail pour essayer d'avoir le plus d'écrits possible. En preuve. Et en gros, j'ai pas eu de réponse. Quand j'ai demandé pourquoi ils voulaient mon numéro, je n'ai absolument pas eu de réponse. Donc, ça c'était la sage-femme à qui j'ai envoyé ce message-là qui m'avait demandé ça. Une autre personne de la PMI, du coup, prend le relais. J'ai eu affaire à un bon, un gentil flic et la responsable. Et on me fait venir au rendez-vous, je viens, à l'heure, machin, etc. Bon, déjà, l'accueil pas très poli, hein, mais bon. Et en gros, on m'explique qu'Ilaria, ils ont détecté un trouble du comportement. Ouais. Déjà, moi, je m'étonne, je me fais. Ilaria, un trouble du comportement. Ilaria, franchement, c'est pas pour la vanter ou quoi, mais c'est une crème. Genre, je l'ai jamais entendu pleurer depuis qu'elle est née, à part de ces 48 heures-là où elle avait mal, ce qui était logique. Elle pleurait que quand elle avait faim, et c'est tout. Le reste, elle dormait comme un petit bébé, elle jouait comme un petit bébé. Enfin, c'était une enfant très, très, beaucoup plus qu'agréable, quoi. Du coup, ben, on me dit qu'elle a un trouble, et que ce trouble-là, c'est le trouble de l'attachement. Le trouble de l'attachement, ça veut dire quoi? En gros, pour eux, ils estiment que vu que je me suis un peu éloignée d'Ilaria pendant mes jours de repos, qu'ils m'ont même proposé hein, quand même, elle a fait un trouble de l'attachement parce qu'elle avait besoin de s'attacher à quelqu'un. J'aurais dit, mais attendez, mais elle s'est attachée à sa mère. Pour moi, ça me paraît logique. Oui, mais comme vous n'êtes pas assez là pour elle, on m'a dit que j'étais pas Ouais. assez là pour elle, Tout à ben, fait. qu'elle avait un trouble de l'attachement. C'est marrant, hein, le type de motifs qu'ils sont capables d'inventer, franchement. Mais oui, c'est sûr, surtout que enfin moi, à chaque fois que j'allais à l'hôpital et que j'allais voir Ilaria, on me disait, bah non, tout va bien, machin, etc. Ilaria, elle rigolait, machin, etc. Elle avait un petit sourire. Bon, elle m'avait l'air très, très,
très 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 bien. Elle allait même beaucoup mieux parce que bon, la mycose, forcément, ça fait toujours un petit peu mal, mais elle allait l'air très très bien. Et là, ben, ça me paraissait un peu. En fait, ce qui m'énerve, c'est que c'est un enfant qui n'a pas la parole. Et on se permet de poser un trouble du comportement sur quelqu'un qui ne peut pas y répondre. Oui, bien sûr, non, mais c'est de la manipulation. Moi, pour moi, c'est. Alors, il y a sûrement des objectifs derrière, hein, la preuve. Bah, attendez, parce que du coup, après, lors du rendez-vous, je reparle du placement administratif. J'ai dit, moi, je veux un placement administratif. Là, il commence à me parler d'adoption. D'adoption? Ouais, de faire adopter ma fille. Et attends. Mais c'est ça que je comprends pas. À quel moment mais pourquoi il décide ça? Pourquoi il Mais moi, propose non. ça? Mais j'ai pas compris, mais les propos, ils ont été violents. Parce que quand je suis arrivée au rendez-vous, ils m'ont dit qu'en gros, comme ma fille avait un trouble de l'attachement, elle se laissait mourir. Oh putain. Et moi qui ai pris ça très à cœur parce que c'est quelque chose qui c'est mon sang, c'est ma fille. Donc j'ai pleuré, j'étais pas bien. Enfin, j'ai dit je peux comprendre que voilà, elle a besoin de moi, machin au quotidien, ce qui est logique. Mais là, ce que vous dites, c'est en gros, c'est de laisser à une autre famille ma fille, alors que moi, j'ai pas du tout envie de couper ce lien que j'ai avec elle. Et là, la responsable était là, justement, elle me dit non, mais il y a plusieurs types d'adoption. Et dans une certaine adoption, vous pouvez toujours voir votre fille. Et là, je l'ai regardé, je fais, excusez-moi, hein, mais sur Google, vous marquez adoption, vous marquez sur service.gouv, vous verrez que dans les deux cas, le seul truc qui change, c'est au niveau du décès des parents. C'est tout. Il y a rien d'autre qui change, vous ne pouvez pas avoir votre fille, vous êtes déchu complètement de vos droits. Clairement, elle a, dans le simple, en gros, elle la garde, elle conserve les deux noms de famille. Donc ça veut dire qu'au décès, elle reçoit les deux héritages de sa première famille maternelle, de sang, et de la famille adoptive. Et l'adoption plénière, c'est, elle est totalement remise à la famille. En gros, il n'y a plus de la vraie mère, etc. C'est ça, c'est barré. Et la responsable m'a clairement dit que s'il y avait une autre alternative, machin, donc elle me fait voir une personne responsable de l'adoption. Donc Putain, franchement, c'est de l'organisation en fait qu'ils ont, hein. C'est franchement, c'est On m'explique qu'en gros, pour le placement administratif, il n'y a pas de place. Les familles sont bondées. Il n'y a pas de place. Et pour les dans le placements secteur. administratifs. Pour les Ouais. placements administratifs, d'accord. Oui, Ça, exactement. c'est mensonger. Ça, c'est exprès pour pouvoir changer le placement administratif en placement judiciaire. Ce sont des C'est menteurs professionnels. C'est moi qui le dis, c'est pas vous. J'accuse. logique. Ils ont menti. Ils ont menti pour pas faire le placement administratif. Exactement. Mais en plus, on passe quand même d'un truc extrême où moi, j'ai demandé un placement administratif, on parle d'adoption. Donc, imaginez mon moral au moment où on me dit ça. Je me dis, mais pourquoi on en est arrivé là? Je n'ai jamais demandé ça. Moi, j'ai juste demandé un truc très simple. Il n'y a pas de juge, il n'y a rien. C'est, je récupère mon enfant quand j'en ai besoin et quand je peux, surtout, parce que ce n'est même pas quand j'ai envie, c'est quand je peux, surtout, dans la situation actuelle où je suis. Et en gros, on me claque ça au visage avec des mots très durs en me disant que ma fille, si elle continue à être seule comme ça parce que je passais pas la nuit là-bas, machin, etc. Alors que les médecins, ils me disaient clairement, ça sert à rien de passer la nuit, elle dort, votre fille, donc ça sert strictement à rien. Que je passais pas la nuit là-bas ou quoi, ou que j'étais pas plus souvent, alors que des fois, je restais pendant des 4 heures, des 5 heures, ou même des 6 heures. On me disait que j'étais pas assez là, que j'étais pas assez présente. Mais par exemple, je sais pas si vous avez le droit de dire, si je vous disais, mais si vous aviez un nom à dire de gens qui vous ont emmerdé comme ça, vous avez des noms à donner ou vous n'avez pas envie? Des noms, c'est-à-dire de médecins ou de. Ceux qui vous ont fait du mal. Le nom de ceux qui vous ont fait du mal. Alors, il y a une infirmière puéricultrice qui s'appelle Madame Follin. Alors, je n'ai pas son prénom, hein, je suis désolée. Hein. La responsable, je ne connais pas son prénom non plus, ni son nom de famille d'ailleurs. L'éducatrice, attendez, je vais regarder, qui est référente de Ilaria en ce moment même. Je vais regarder le mail hein, parce que franchement, je ne retiens pas les noms de famille. Alors, il me semble que c'est Madame Serrault. Alors. Madame. Il arrive. Ouais, Madame Serrault, c'est ça. Voilà, non, parce que tout ça, franchement,
C'est difficile à supporter, hein. C'est franchement Mais compliqué. en plus, moi, j'étais déjà dans un état dépressif. Je m'en sortais grâce au bonheur qu'il arrivait à m'apporter mon conjoint actuel. Et là, en fait, on me dit, en gros, vous devez faire le choix entre les deux. Et vous n'avez pas le choix, quoi. En gros, hein, clairement, moi, je me suis sentie coincée du début jusqu'à la fin. Je me suis dit, mais en gros, déjà, j'ai pas Vous une vous enfance rendez facile, mais compte? là, on continue de me bombarder, quoi. Vous vous rendez compte comment ils essaient de détruire la vie de couple? Ouais, mais... La vie de parents. Ils ont un objectif, détruire la vie de famille. Mais c'est Ça ça, fait hein. Et partie d'une stratégie, hein, d'accord? puis après, ils vont dire que du coup, comme il y a conflit, bah, il y a conflit d'intérêt pour l'enfant. Alors Non, que mais c'est complètement... C'est n'importe quoi, hein, mais voilà. Et le souci qui s'est passé derrière, c'est qu'en fait, ils m'ont parlé de ça. Puis là, tout d'un coup, la responsable, elle est redescendue, elle est repassée sur le placement administratif. J'ai dit, bah, enfin, quand même. Donc, ça nous a rassurés dans un sens, mais en fait, ça nous a un peu endormis, surtout, pendant ce temps-là. Mais ils m'ont reprécisé qu'il n'y avait pas de place. Donc moi, de mon côté, j'ai dû essayer de chercher une solution alternative parce que je voulais le mieux pour Lana et rester à l'hôpital comme ça. Effectivement, ce n'était pas ouais. obligatoire. Ça n'allait pas être infini. Moi, j'ai eu une coupure pendant un certain temps de contact avec mon père. Et là, exceptionnellement, au vu de la situation actuelle, j'ai rappelé mon père. Je lui ai dit ce qui se passait par rapport à ma fille, qui lui, du coup, a vécu la même chose, mais en sens inverse. Parce que moi, j'ai été placée, il a eu du mal à me récupérer. Hein, d'ailleurs, on ne m'a jamais récupérée, du coup. Du coup, j'ai expliqué la situation, et je savais que ça allait le toucher par rapport à rien. Il m'a dit, écoute, Manon, j'ai une maison, il y a une chambre pour toi, il a ton copain, il n'y a pas de souci. Je suis de la famille, donc j'ai le droit, normalement, de prendre ta fille en placement provisoire. Exactement, Parce exactement. que je suis de la famille et toi, ça t'évite de voilà, qu'elle aille dans une famille d'accueil d'une autre machin. Donc je me suis dit, cool, le problème il est réglé. D'accord. Donc ça, vous l'avez proposé aux services sociaux, alors? Exactement. L'erreur que j'ai faite, justement, c'est de leur dire. Parce qu'après, ils m'ont posé la question fatale, ils m'ont dit, est-ce que votre père est dans la région? J'ai dit, non, mon père est dans une autre région. Quand ils m'ont demandé où, je leur ai dit que mon père était du Nord-Pas-de-Calais. Et que du coup, on allait emménager là-bas pour le moment, jusqu'à temps de régler la situation du logement. Puisqu'ils m'ont dit eux-mêmes qu'il n'y avait pas de place en famille. Donc, Putain. et là, en fait, ils m'ont dit, écoutez, je vais en parler à ma responsable. Donc, ils me laissent repartir tranquille. Moi, je me dis, c'est bon, ils vont parler, ils vont dire que c'est mieux, parce que, effectivement, comme ils ont aussi bien dit, il n'a rien besoin de sa mère. En bonne santé et en bonne forme. Du coup, en fait, j'apprends quoi? Le lendemain, l'hôpital a fait l'OPP. Alors ça, c'est très simple. Là, il faut bien comprendre. Ils ont tellement eu peur que vous réussissiez, d'accord? À partir de région. Voilà, mais comme le gain d'argent, c'était dans leur département, donc le 51, la Haute-Marne, non? Ouais, c'est ça, c'est D'accord? 51. Donc 51, Reims, d'accord? C'était l'argent qui devait arriver dans le département, mais si jamais vous quittez le département, ils n'ont plus rien. Ils n'ont plus d'argent. D'accord? Et donc là, alors que vous aviez trouvé la solution du placement administratif, ils vous plantent abusivement. Ce sont pour moi des... Franchement, c'est une magouille qui est insupportable. Insupportable. Mais Et le ça, pire de... ben oui, mais moi, c'est les témoignages. À chaque fois, on a affaire à ce genre de choses. Mais le Les pire, c'est services pas ça. sociaux, ils commencent à nous emmerder, hein, sérieusement. Parce que le pire, c'est pas ça, c'est que le pire vient après. Parce que là, on est déjà sur du lourd, mais après, on est encore sur pire. Parce que, en gros, du coup, moi, quand je leur ai reparlé de ça, ils m'ont dit, oui, mais madame, un enfant, ça doit pas bouger de droite à gauche comme ça, machin, c'est pas un jouet. Vous êtes pas stable dans vos choix. Non, franchement, mais là, c'est Donc, franchement, mais ils ont assigné que psychologiquement, j'étais pas stable pour mon enfant. ouais, ben, ils ont allé voir les enfants des manouches s'ils sont capables de les toucher, les enfants des manouches qui sont tout le temps sur la route, d'accord? Alors ils ferment leur gueule en disant des choses comme ça, c'est insupportable, ce sont des menteurs. Je rappelle mon père pour le premier de la situation, et mon père m'a dit, tu vas te faire avoir dans tous les sens, ils vont te bloquer de partout. Le seul, ils me disent, moi, ils pensent que la seule solution, c'est que tu changes de région. Parce que moi, j'ai tout ma référente que j'ai eue, moi, dans l'enfance, elle travaille toujours dans le nord où mon père habite.
Donc tu m'as dit, prends contact avec elle. Donc je ne l'ai pas encore fait parce que bon, c'est tout ça, là, le retour du jugement, je l'ai eu hier, hein, donc c'est tout récent hein, que ça s'est passé. Alors, Donc en le fait, jugement que vous avez eu hier, c'est un jugement par le juge des enfants, c'est ça? oui, c'est ça. Mais en fait, c'est pas le rendez-vous, la convocation, c'est bien avant. Mais là, j'ai eu le compte rendu. D'accord. Donc j'ai eu la réponse. Et D'accord. quand j'ai vu le compte rendu, il n'y a rien de positif. Mais rien. Genre, on me descend du début jusqu'à la fin. Vraiment, genre, il n'y a rien de positif. On n'a pas dit oui, c'est madame qui a fait appel à nous, machin. Il n'y a rien qui est marqué. Il n'y a vraiment rien. Et le pire, c'est qu'il y a des mensonges. Et que, en plus, je peux prouver que c'est le contraire parce que j'ai appelé les médecins en question qui m'ont suivi tout le long de ma Alors, grossesse. est-ce que vous pouvez, Manon, donner des exemples de mensonges qu'ils ont mis dans le jugement? Des exemples? Mais ça, c'est autre chose. Alors, alors déjà, c'est forfaité. Attendez. Et en plus, c'est bien marqué dans le. En fait, si, c'est bien marqué dans le truc hein, que j'ai marqué. Que c'est jeudi, c'est marqué explicitement, elle regrette que le placement revête aujourd'hui une forme judiciaire alors qu'elle ne souhaitait qu'un placement administratif. C'est marqué Alors, noir sur blanc. voilà, donc ça. Mais si vous voulez le jugement, on peut le publier dans la Bien sûr. vidéo après, hein, si vous voulez. Elle soutient qu'elle a scrupuleusement suivi le rendez-vous avec la sage-femme pendant sa grossesse. Alors attendez, parce que là c'est du grand. ce qui est démenti par l'infirmière puéricultrice qui est venue. Chez moi, donc qui m'a jamais suivi pendant ma grossesse, parce que j'étais dans une autre ville pendant ma grossesse. Ouais, Moi, j'avais une non. sage-femme libérale. Et en fait, cette sage-femme libérale, quand j'ai vu ça, je l'ai appelée, je lui ai dit ce qui se passait. Elle m'a dit, écoutez, je vais vous faire une attestation comme quoi vous êtes venu à tous vos rendez-vous, et elle me l'a envoyé. Je l'ai actuellement dans mon PC. Je l'ai. D'accord. Donc, rien que dans ce pavé-là, il y a un énorme mensonge. Alors, mais ça, alors c'est de l'escroquerie à jugement. D'accord? Il faut les attaquer pour escroquerie à jugement. Je vous dirai, moi, je vous mettrai en lien avec des juristes et on les attaquera en responsabilité sur des mensonges et sur de l'escroquerie à jugement. C'est pareil, ils ont dit qu'effectivement, ils constataient que dans le logement, il y avait des tapis bon sales qui traînaient. Oui, Donc, mais ça, bon, ça c'est de l'artifice, hein, d'accord. Il faut bien qu'ils vous mettent du mal. Ils mélangent le vrai avec le faux. mais c'est ça. Et puis le vrai, il l'amplifie par rapport à ce que c'est réellement. Alors, attendez, il ressort des. Mademoiselle Boulet est très fragile psychologiquement et instable. C'est la première ligne du jugement. Ouais, c'est ça. C'est la première ligne du jugement. C'est le motif qu'ils utilisent. Qui vit avec son compagnon dans un logement très petit et insalubre. A demandé la clé provisoire de son enfant, ne supportant soi-disant plus ses pleurs, alors que c'est pas que je supportais plus ses pleurs, c'est que ça faisait 48 heures que j'avais pas dormi, je trouvais pas la solution, j'avais besoin Non, d'aide. mais puis là, vous avez la preuve que c'était médical, en fait, en plus. Mais oui, et craignant de la secouer, hein, voire, alors là par contre, là je tiens à préciser avant parce qu'il y a une petite subtilité. En gros, moi j'ai dit que si il me plaçait, parce qu'il voulait me mettre en psychiatrie de force. D'accord. Ah oui, Que, carrément. bah, ouais, que je lui ai dit, mais moi, dans ces cas-là, je saute par la fenêtre, clairement. Je veux pas être enfermée là-dedans. Je préfère sauter par la fenêtre, j'ai plus ma liberté après. On me fout en médicaments, je récupère jamais ma fille, je perds tout d'un coup. Ouais, bien J'ai sûr. déjà perdu beaucoup de choses dans ma vie, j'ai perdu ma mère, ma mère a perdu beaucoup de choses, j'ai été frappée, harcelée dans les foyers, machin, etc. J'ai pris sur moi toute ma vie. Et là, il faut qu'on me mette encore plein la gueule. Ouais, non, bah Et bien sûr, je vois du coup, ça. quand j'ai dit cette phrase, en fait, ils l'ont mis par là, pour Hilaria. En disant, je vous relis la phrase entière, hein, pour que vous Ouais. compreniez bien, c'est pour ça que je rajoute ça, que a demandé l'accueil provisoire de son enfant, ne supportant plus ses pleurs et craignant de la secouer, voire de passer par la fenêtre. Mais c'est pas Non. précisé que c'est moi. Si, si, c'est pas précisé que c'est moi qui ai dit ça par rapport à moi, parce qu'il Non, mais m'avait proposé un truc complètement hors norme.
Ils ont dit qu'en gros, ils avaient dit ça. C'est subtil, hein. Non, non, c'est vraiment... du mensonge. C'est du mensonge professionnel. C'est du mensonge. Les services sociaux alors, évoquant... Hein. Alors, après qui le juge comment il s'appelle le juge? Il y a un nom en bas? Non, il est en haut. Alors, elle s'appelle Pascaline Delavaux. Donc, c'est la juge, ça, d'accord? Oui, ça, c'est la juge. D'accord. C'est celle qui s'appuie alors sur des rapports de l'ASE pour qu'elle écrive ça. Elle s'appuie sur quoi? Et de l'hôpital. D'accord. Donc, soit elle est complice, soit c'est une imbécile. Et du coup, je continue. Donc, les services sociaux évoquant un risque de mort. Non, mais c'est une blague, c'est moi qui appelle pour demander de l'aide et on lui dit qu'en gros, ma fille, elle a un risque de mort. Non, non, franchement, mais c'est... Heureusement que vous avez des documents qui vont appuyer ça. Hein. Franchement, mais je vais vous mettre en place avec des juristes. Je vous le dis, d'accord? On verra. Dans le logement ont été observés des bureaux sales dans l'évier, une forte odeur de tabac. Parce oui, que mais bon... Hein, voilà, mais on ne se drogue pas et on ne boit pas d'alcool, on fume par la fenêtre. Hein, ah, mais vous auriez dû nettoyer les biberons, franchement. Ah, bah voilà. Ouais, Manon, franchement, Manon. du coup, je continue. Charge inadaptée du nourrisson, Madame Boulet faisant passer son couple en priorité. Hein, c'est marqué noir sur blanc. Donc, il précise bien que bah, du coup, mon compagnon, c'est pas le père de l'enfant. Hein, pour bien souligner le fait de l'enfant qui souffre déjà des troubles de l'attachement puisqu'aucun lien n'a été créé avec sa mère. On dit carrément que je n'ai créé aucun lien avec ma fille. Alors que pendant 48 heures de pleurs, j'étais par terre à la bercer sur mes jambes. Je me suis pété non, là, absolument tous les membres pour la bercer. Franchement, c'est... Madame Boulet refuse de délaisser sa fille. Imagine pouvoir la reprendre. Ah, cette phrase, elle est merveilleuse parce qu'en fait, moi, quand je suis allée à l'hôpital, j'ai demandé parce qu'il n'a rien pour moi, il n'avait pas assez d'affaires. Bien qu'on ait acheté des tonnes en vêtements, un enfant se change tous les jours et je trouvais qu'elle n'en avait pas assez. Et en fait, il a rien comme elle est née un peu en taille très basse. En fait, les habits sont pas forcément idéaux que j'ai acheté, mais étaient un peu trop grands. Ouais, donc, d'accord. J'ai voulu racheter quelque chose à sa taille et j'ai demandé au médecin si c'était possible de prendre ma fille, de pouvoir aller au magasin avec elle pour pouvoir lui tester les vêtements avant de lui acheter. C'est la seule demande que j'ai faite parce qu'ils ne m'ont jamais dit vous pouvez sortir avec votre fille, madame, votre fille va très bien. Donc, du coup, le médecin m'a dit qu'il allait demander l'autorisation à ses cadres. Je n'ai jamais eu la réponse. Je n'ai jamais eu de réponse et là, dans le jugement, ça a été déformé, ces propos-là. Madame Boulet refuse de délaisser sa fille, imagine pouvoir la reprendre dans 2 ou 3 ans, idéalisant alors la fonction maternelle qui se limiterait à sortir avec elle et lui acheter des vêtements. Putain, franchement, c'est des manipulateurs. C'est ça qui est insupportable. Franchement, moi, personnellement, je ne supporte plus ce genre de manipulation. Je vous le dis, hein, oui. Parce que à chaque fois que j'ai un témoignage, à chaque fois vous avez des rapports qui sont mensongers et des jugements qui mettent des mensonges. Pour moi, c'est systématiquement de l'escroquerie à jugement. Systématiquement. D'accord ? Systématiquement. Et en fait, effectivement, j'ai dit une phrase qui les avait alarmés. J'aurais peut-être dû me taire parce que, encore une fois, parce qu'en fait, à un moment donné, il arrive pendant ses pleurs, elle s'est arrêtée net d'un coup. Et je l'ai vu un peu gazouiller, un peu sourire. Et quand j'ai dit ça, et j'ai dit, moi, j'étais vraiment mal... Enfin, j'étais fatiguée à ce moment-là quand j'ai compris ça. Donc, j'ai pas compris pourquoi ma fille avait fait ça et je comprenais pas. Et je leur ai dit que j'avais pas compris pourquoi d'un coup, elle s'est arrêtée à pleurer et qu'elle s'était mise à aller à peu près mieux et à sourire. Et du coup, ils ont interprété ça. Elle a pu soutenir que sa fille âgée de quelques jours se serait moquée d'elle en rigolant. Putain. Franchement, ça doit faire mal hein, de lire un jugement comme ça, en fait. Ah, mais moi, en fait, surtout que là, je l'ai eu hier, alors que le jugement, ça fait un mois. C'était il y a un mois ? Ouais. D'accord. Et vous l'avez eu que là, maintenant ? Oui. Ils vous l'ont signifié par huissier ? Vous l'ont envoyé comment ? Non, c'est eux qui l'avaient en possession et c'est eux qui m'ont donné en main propre. Putain, c'est... Et vous avez pas déposé plainte sur le jugement ? Vous n'avez pas déposé plainte, en fait ?
Ben en fait, je vais vous expliquer ça après parce que en fait, juste derrière, il y a deux choses qui sont un peu plus particulières encore. C'est pour ça que je dis que je continue parce que voilà. Voilà, alors que sa fille était hospitalisée, elle a pris de. Alors, je suis venue, sauf les premiers 15 jours où je devais me régler mes problèmes de santé à moi et mes problèmes de la vie quotidienne pour aller mieux et aller voir ma fille dans un état serein, surtout. Parce qu'un bébé, ça reste une éponge à émotions et ça ressent les émotions. Donc, je ne voulais pas qu'elle sente toute ma colère, mon stress et ce qui me paraissait logique et ma fatigue. Et en plus, c'est eux-mêmes qui m'ont dit de me reposer et de prendre le temps qu'il fallait pour ça. Ce que j'ai fait. Et en gros, en fait, à partir de ces 15, après ces 15 jours-là, je suis venue la voir tous les jours, vers 18h, parce que c'est l'heure de son biberon à peu près, de 18h. Et des fois, je rentrais, il était 22h, 23h, 20 minutes. Voilà, je venais jamais la journée parce que je voulais pas voir les médecins parce qu'ils voulaient trop absolument que je voie aussi une assistante sociale de l'hôpital et aussi des psychologues de l'hôpital et machin. Et j'ai dit, je sais pas pourquoi, mais vu comment ça pue, je veux éviter tout ça, donc je venais que le soir pour éviter ça justement. Et Ouais. parce que je voulais juste voir ma fille, être tranquille avec ma fille, voir qu'elle allait bien et c'est tout quoi. Il y a même une infirmière qui m'a proposé un bain. Elle m'a dit, venez le soir à la même heure où vous venez. Je lui ai dit, ok, je viens entre 18h et 19h. J'arrive, ma fille a déjà eu son bain. Et ça va être me reprocher dans le jugement que je ne suis même pas venue lui donner le bain, alors que si je suis venue, c'est juste que les infirmières n'ont pas eu le mot, parce que ce n'était pas les mêmes entre la veille et le lendemain. Et du Ouais, coup, d'accord. bah, ils ont fait juste leur boulot, en fait. Ouais. Et ça va m'être encore reproché. Et j'ai dit, mais attendez, moi j'arrive, bah, il y a des fois. Bah, ma fille, elle dort, elle a déjà eu son biberon, machin, etc. Je ne vais pas rester 15 ans, j'ai pas envie de la réveiller. Enfin, c'est ce qui est logique. Donc, je la regarde, je vois si tout va bien, je vois si elle a besoin de change, si je dois rapporter, si je dois laver. Bref, le nécessaire pour un enfant, entre guillemets. Et je vais même rapporter, vous savez, les transats, son mobilier, enfin, son mobile, pour qu'elle soit, ses doudous, machin, pour qu'elle soit bien, qu'elle ne soit pas trop, trop, trop bébéisée. Mais non, pour eux, c'est pas suffisant, j'étais pas là pour ma fille. Donc ils ont sifflé, les médecins m'ont été dire que je ne les ai appelés pas. Je les ai appelés deux fois selon eux, alors que je les appelais pratiquement tous les jours. Que à chaque fois on me disait qu'on me rappelait, on m'a jamais rappelé. J'ai reforcé, on me disait que le médecin était occupé et qu'il avait une urgence. Alors, mon copain était moins qui était sous c'était sous haut-parleur, donc mon copain était moins de ça hein, aussi. En gros, que je suis venue voir que 10 fois ma fille pendant son hospitalisation. Alors que pas du tout, c'est que les premiers 15 jours où effectivement je n'ai pas été beaucoup là parce que justement elle m'a dit de me reposer, de me recentrer sur moi. Et là, je me suis dit, mais c'est du foutage de part, quoi. Enfin, j'étais là et en fait, j'ai compris que les médecins, ils étaient de mèche. Elle a Parce été que. hospitalisée combien de temps au total? Plus d'un mois et demi. D'accord. Hein, en plus, j'arrive un jour, on me dit que ma fille a chopé la gastro hein, au téléphone avant que j'arrive et que du coup, je pourrais pas forcément l'avoir à bras, etc. parce qu'elle a la gastro. Qu'une infirmière lui a filé. Là, je me dis. Bon, ça peut arriver, mais enfin, dans un corps où tu es avec des enfants, tu fais attention à ce genre de choses. Justement, tu désinfectes bien les mains, tu évites de coller l'enfant à toi si tu penses que tu es malade. Donc, ça m'a un peu troublée de tout ça. Oui. Et il faut savoir que pendant cette hospitalisation-là, comme vous avez écrit par mail, la famille d'accueil a vu ma fille sans que moi je sois au courant, une après-midi entière à l'hôpital. Je n'ai pas été prévenue. Parce qu'elle Moi, avait pendant déjà, ma. alors c'est ça, elle avait déjà une famille d'accueil de prête. Exactement. Bizarrement, leur soi disant, il n'y a plus de place, bah là, il y avait de la place. Mais ouais, mais alors, c'était une famille d'accueil par le biais d'un futur jugement judiciaire et non pas une famille d'accueil Exactement. par rapport à Exactement. l'administratif. Donc Exactement. c'était déjà vicieux en fait, avant Mais même que vous ayez exactement. le jugement. Ils étaient déjà entendus parce que ça, vous l'avez su il y a combien de temps qu'elle a eu une visite d'une famille? Je l'ai su le lendemain de son placement. Enfin, je l'ai su le lendemain où la famille d'accueil a visité parce qu'on m'a dit au téléphone, Madame Moulet, il faut que vous soyez là demain pour signer le papier de sortie d'Hilaria. Elle part avec sa famille d'accueil, vous allez rencontrer sa famille d'accueil et sa référente à eux.
D'accord. Et donc, et vous étiez pas prévu pour ça, en fait. Non, et en fait, je suis arrivée à l'hôpital et c'est là que j'ai appris par les infirmières et non par la référente ASE, hein, et par la famille d'accueil qui m'ont dit, je suis passée hier pour créer les premiers liens avec Ilaria. Donc là, je regarde un peu la référente ASE de côté, je me dis, ouais, j'ai pas été prévenue. Je sais pas, je suis sa mère. Et attendez, le pire dans tout ça, c'est que j'apprends que la famille d'accueil a fait une demande d'album photo de Hilaria, qui font automatiquement pour le suivi de l'enfant, en fait, qu'il doit normalement remettre à la mère à la fin de l'hospitalisation. Sauf que là, au lieu de le rendre à la mère, donc à moi en l'occurrence, ils l'ont rendu à la famille d'accueil. Je me suis sentie invisible, évincée. Je n'avais, pour moi, clairement, c'est comme si j'avais plus mon rôle de mère. On me l'a effacé. Et en plus, on m'a même pas demandé si moi je donnais l'autorisation du droit à l'image de ma fille. Là, je me suis dit, mais l'autorité parentale, elle est où? Mais non, mais c'est un viol du droit, en fait. Vous rendez compte le nombre de viols de droit que vous avez subis, là? Mais Franchement. c'est une succession de ça et ça va continuer après. Parce que moi, la famille d'accueil qui m'avait l'air très gentille, hein, franchement, sur ça. Très gentille, il n'y a aucun souci, elle m'a parlé de tout, elle m'a mis en confiance, elle m'a montré des photos de ses enfants parce qu'elle avait d'autres enfants, machin, etc. Pas de souci. Par contre, elle a voulu me donner son numéro pour pouvoir m'envoyer des photos et que je puisse appeler, machin, etc. La référente ASE, elle a coupé net en disant que c'était pas le moment. Que c'était Et comment trop elle tôt. s'appelle cette référente ASE? Elle s'appelle Madame comment? Giraud. Madame Serrault. Madame Serrault. Madame Serrault. Et moi, D'accord. elle m'a dit, à moi, pour créer le truc, vous devez vous-même me le demander à moi pour que je puisse vous le donner. Chose que j'ai demandé par mail, mais qui m'a jamais Non, été donnée. mais même c'est ça, c'est même c'est mais c'est de l'abus de droit qu'ils ont. C'est de l'abus de droit. Vous êtes une maman, vous avez une enfant, c'est vous qui avez des droits, c'est pas eux. Ben, c'est Faut ça. bien comprendre ça. Faut bien comprendre ça. Et donc je vais continuer parce que en gros, je ne sais pas ce que c'est le service gardien, hein, mais c'est ce qui est marqué. Le service gardien souligne qu'avant son placement auprès d'une assistante familiale, il a présenté des signes de détresse inquiétants. Madame Ouais. Boulet n'est passée voir sa vie que 4 fois du 16 au 23 mars, hein, alors que c'est pas absolument pas vrai. Et n'a appelé le service de soins que 2 fois. Que je peux contrecarrer très facilement. Ces brefs passages n'ont pas permis de travailler avec Madame Boulet, qui pouvait annoncer son passage pour le bain le matin, alors que j'avais dit le soir, parce que je ne pouvais que le soir. À 19, en arrivant finalement qu'à 19 h. Là, je me Non suis dit, mais là, là, Manon, ça s'appuie sur des rapports qui sont mensongers. oui, Les et rapports, surtout. pour le jugement, il y a ça veut dire que le juge, il a reçu des mentions et des rapports des services sociaux. Et ce sont Exactement. les services sociaux qui ont menti. Et attendez, parce que ça continue. Le service de l'UPPE, donc c'est un peu les psychiatres, tout ça, qui travaillent avec eux en fait, hein, qui sont en lien avec leur service, que Madame Boulay n'est pas psychiquement disponible pour s'occuper de sa fille. Ouais, Et d'accord. que les échanges entre sa fille et elle sont pauvres. Et que, mis à part le portage, aucun geste de tendresse n'est constaté. Et comme je vous ai écrit dans le mail, moi, je suis quelqu'un qui est très réservé sur ce genre de choses. J'aime bien être dans ma bulle avec ma fille, dans mon coin, et pas être regardée. Je trouve ça malaisant d'être regardée en train de faire un câlin. Et puis, en plus, je trouve pas ça naturel, en fait. Non, Genre, non, mais moi, bon, quand... là, vous êtes victime de tromperie, hein, franchement. Donc, Et surtout que... quand ils veulent piquer un enfant, de toute façon, ils inventent n'importe quoi. Surtout que moi, quand j'arrivais et qu'elle pleurait, parce qu'on me disait soi-disant qu'elle n'arrivait plus à pleurer, qu'elle n'alertait pas les infirmières quand elle avait faim, moi, quand j'arrivais, 10 minutes après, elle pleurait. 10 minutes après, elle pleurait, je la prenais dans les bras. Et pour la consoler, il y a deux choses qui marchent, la poussette, ou alors la porter à bras et faire le tour, et marcher, parce que les vibrations des pas, ça la fait s'endormir, D'accord, en non fait. mais bon, Et pendant donc là, 40 minutes, je la porte, je tourne et on me dit que je n'ai pas d'acte de tendresse envers ma fille et que, en gros, je n'ai pas de lien avec ma fille. écoutez Manon, parce que là, vous vous rendez compte, on arrive presque déjà à l'heure, donc ça veut dire qu'on sera peut-être obligé de refaire un épisode pour raconter Bah la oui, suite. parce que c'est beaucoup trop long, hein. C'est pour ça que j'ai essayé, même moi, en essayant de résumer par mail, je me suis dit, mais comment je vais essayer de résumer tout ça?
Non, non, mais déjà, là, il y a déjà une étape qui est importante, quitte à refaire un deuxième épisode, d'accord? Pour que le schéma de mon format d'une heure, il soit dans le standard, Dans le d'accord? respect, oui, bien sûr, D'accord. il n'y a pas de Mais souci. là, déjà, vous avez déjà démontré un maximum de mensonges par le biais du jugement, d'accord? Et une tromperie, donc j'ai bien fait de marquer une tromperie entre judiciaire et administratif, d'accord? Parce que c'est ce que vous avez vécu, d'accord? Et derrière, tous les mensonges qui sont à l'intérieur du jugement. Alors, ce que vous Et ferez. je tiendrai juste à préciser un tout petit truc qui est très important, c'est que lors du jugement, je me suis fait dérouiller parce que j'avais des émotions, j'étais en colère parce que j'ai entendu tous ces mensonges, j'étais très très remontée et moi je suis quelqu'un de très humaine et quand ça touche quelqu'un que je connais et que j'aime, je peux très vite monter sur les grands chevaux. Et du coup, ça m'a été encore reproché que j'avais surréagi. Mais si je n'avais pas réagi, bah, ils auraient dit elle s'en fout. Ouais, non, c'est ça. Et en fait, quand j'ai eu le jugement entre les mains, ils m'ont dit par contre, dans le jugement, la juge n'a pas notifié, elle n'a pas dit que elle voulait un bilan psychologique, mais elle l'a fait après. Donc j'ai reçu le jugement avec un bilan psychologique d'une personne dont j'ai le nom et qui se trouve à Charleville-Mézières. Sauf que D'accord. elle n'a pas voulu me donner la date du rendez-vous. Non. Non, je n'ai pas la date du rendez-vous. D'accord. Donc c'est encore de la manipulation. Mais faut bien, c'est bien de dire tout ça, hein, parce que déjà là, ça prouve que c'est des manipulateurs, Et les je juges. tiens. Et moi, je publierai le jugement. Il faudra m'envoyer une copie du Oui, jugement. il n'y a pas de souci. Et je tiens à rajouter que du coup, il a rien. Ce jugement n'était pas forcément pas là parce qu'elle est trop petite, hein, mais que du coup, je n'ai le droit que de voir ma fille que 45 minutes, une fois par mois. Vous avez que ça comme droit? Je n'ai 45 que minutes. ça. 45 minutes par mois, une seule D'accord. fois. Ah ben, moi, à votre place, il faudra déposer plainte parce que vous n'avez pas perdu votre statut parental, en fait. Non, 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 j'ai toujours mes droits parentaux. Donc là, il faudra déposer plainte. Je vous trouverai avec des juristes les motifs de plainte. D'accord? Mais. Comment dire? Et en fait, il faut savoir aussi que là, c'était à compter du 1er juin à ma demande. Donc moi, j'ai Ah déjà fait oui. la demande. J'ai déjà fait la demande. Sauf que la ZE ne respecte pas à partir du 1er juin, parce que c'est bien marqué à partir du 1er juin, ils veulent me la faire voir le 14 ou le 15 mai. Donc moi, d'un côté, ça me va, parce qu'ils respectent le jugement. Et ça a bien marqué Bon, dans le 1er juin. en tout cas, vous me communiquerez tous les emails de ces gens-là que vous avez là, et moi, je leur ferai suivre la vidéo. C'est moi qui leur enverrai avec un message. D'accord? Bien sûr. Parce que moi, je fais des accusations, mais j'ai le droit de faire des accusations. Parce Oui, qu'avec bien tous les sûr, bien sûr. témoignages que j'ai des autres mamans, avec les mécanismes qu'ils mettent en place, croyez-moi, ce que vous vivez, c'est ce que vivent plein d'autres mamans. Hein, Ouais, mais vous, j'en doute pas. Hein. hein, voilà. Donc, il faut continuer de dénoncer ces mécanismes-là. Et il y a un moment donné, il y a des juges qui arrêteront de suivre des rapports mensongers. Parce que là, on est vraiment dans de l'escroquerie, hein, pour élever des enfants. Mais c'est Et ça. moi, j'ai le privilège d'avoir maintenant beaucoup de mamans qui veulent témoigner, d'accord, de ce qu'elles vivent, la manière dont elles le vivent et la manière où le contradictoire, il est même pas respecté. Il Oui, respecte pas c'est les lois. le jugement, il avait tellement d'incohérences parce qu'on m'a dit le logement, c'est pas une raison adaptée à votre au fait que vous vouliez placer provisoirement votre fille. Mais Bien derrière, j'ai sûr. dit, bah dans ces cas, j'aurais dit, mais dans ces cas-là, rendez-moi il a rien, puis on en arrête là. Ils me disent, oui, mais non, compte tenu du logement. Voilà, ben, alors que si vous aviez rien dit, vous aviez appelé votre père, vous seriez parti dans l'autre région, il n'y aurait rien Exactement, eu. il y aurait rien. D'accord? C'est vraiment des. Pour moi, c'est vraiment de la saloperie, hein, ce qu'ils font, hein, franchement. Bon, en tout cas, Manon, pour le mot de la fin, parce que là, je vais envoyer le générique de fin, d'accord? On a une Oui, bien heure, sûr, bien quitte à refaire un épisode, Manon, d'accord? Mais Oui. votre témoignage, je vous remercie de ce témoignage-là d'aujourd'hui. Ça va être quelque chose d'important. Il sera en ligne dès demain matin. Je vous le dis, je vous enverrai les liens. Alors, je vous le dis tout de suite, hein. Il sera sur YouTube, il sera sur VK, il sera sur Chrome Bunker et Il n'y a pas de souci. ça va être partagé sur deux web TV. Une avec qui je travaille qui s'appelle Alliance du Peuple
d'accord, dans une émission nouvelle qui sort, et avec un autre réseau qui s'appelle, comment ça s'appelle, ça va me revenir. Donc, parce que c'est une nouvelle chaîne qui est en train de naître. Il y a une reprise aussi sur un média suisse qui s'appelle Agora TV, d'accord, qui est une chaîne suisse. Mais les noms qu'on donne, leurs noms, ils vont circuler. Je vous le dis tout de suite. En tout cas, je vous laisse le mot de la fin. Qu'est-ce que vous avez à dire en mot de la fin? Bah, je dirais que je vais reparler des personnes qui sont placées parce que c'est très dur. Hein. Moi, j'ai été moi-même placée. Et il faut être fort, en fait. Il faut persévérer. Alors, la persévérance, ça aide beaucoup. Alors, voilà. Moi, je vous donne rendez-vous, un prochain rendez-vous, Manon. D'accord? Ça marche. On se recontacte dans quelques jours, mais il y aura un épisode 2. Vous regarderez déjà tout ce que vous avez dit. Vous préparez le scénario de l'épisode je numéro sais que, 2. Je sais que je suis arrivée à peu près au jour du jugement après, donc c'est bon. Voilà. Et donc, on pourra raconter la suite. Mais entre-temps, je vous mettrai en lien avec des jurys. Ok, j'ai le droit de vous faire un bisou, Manon? Ouais, d'accord. Hein? Allez, merci de votre témoignage et à très bientôt. Merci Manon. À très bientôt. Et salutations à votre amitié, à votre ami. D'accord? Ok? Pas de souci. À bientôt Manon. À bientôt. À bientôt.